Leurs mots à dire. En 2022, Alexandra Riguet et Marie Montaïro ont suivi des lycéens souffrant de troubles du langage. Des ateliers d'écriture ont été organisés avec la CPE du lycée Valin et le rappeur Hippocampe Fou. Une expérience qui a permis à ces élèves en situation de handicaps invisibles de dépasser leurs difficultés. De cette incroyable aventure sont sortis un film et une exposition. Les lycéennes Loane, Théa et Esma sont venues témoigner lors de la projection. Essayer de prêter une attention particulière aux élèves qui étaient en situation de handicap. J'ai toujours cherché le moyen de leur donner la parole. Et puis, en parlant avec un enseignant de théâtre du lycée qui avait travaillé avec Hippocampe Fou, on a décidé de mettre en place un projet. Voilà, on l'a proposé, j'en ai parlé à des élèves qui étaient en situation de handicap. Et puis ça a commencé tout naturellement comme ça. Voilà. Mais ça n'a pas été trop difficile à mettre en place avec l'éducation nationale ? Alors en fait, non, ça s'est fait plutôt naturellement. C'est-à-dire que c'est né de rencontres et puis ça s'est construit au fur et à mesure. Alors c'est vrai qu'effectivement, moi au début, j'étais partie sur un petit projet. Et puis ça a pris une ampleur au fur et à mesure. Donc effectivement, il a fallu trouver des financements. Mais c'est vrai que le proviseur du lycée nous a laissé en toute autonomie, nous a fait confiance et voilà. Merci beaucoup. Merci. Et bravo à tous. Là. Merci. Alors, peut-être vous allez pouvoir nous dire un petit mot. Comment vous avez ressenti justement cet atelier d'écriture ? Parce que c'était un atelier d'écriture. Pour moi, c'était très très bien. En fait, j'ai pu vite. Même si j'ai du mal avec tout ce qui est écriture, etc., j'ai pu m'exprimer en fait. Et ça, c'est assez rare. Et est-ce que vous êtes maintenant plus à l'aise avec, pour parler, pour écrire ? Pour parler de mon handicap, oui. Et pour écrire, c'est encore très compliqué. Et comme je l'ai expliqué, j'ai beaucoup d'aide de ceux de ma formation pour ça. Mais bravo, félicitations. Merci. Merci. A veces extraño.